Ministère Santé publique ak population remet yon plaque d'honneur by Dr. Guy Theodore, fondateur l'hôpital Pignon et puis médecin américain Paul Silverson, pou 25 l'année yo tout les dépassé ap bay formation à distance nan domaine chirurgie, obstétrique ak gynécologie. Ministre Florence Duperval Guillaume qui te prend la parole dans ces constances là, fait un pile louange pour Dr. Guy Theodore, ancien colonel dans l'armée américaine, qui rive réaliser un travail important dans une zone côté population en pauvre. À la tête MSPP a continué pour le dire, Dr. Théodore gen l'autre travail l'a réalisé dans zone Pignon. Dr. Florence Duperval Guillaume dans micro Amos Bréville à Gaston Joseph. L'idée de vidéoconférence en fait pour la formation, on l'a expérimenté depuis des années au niveau de l'hôpital de bienfaisance de Pignon. Je crois aussi qu'une institution, particulièrement quand elle évolue dans le domaine de la santé, n'a de valeur qu'à travers les ressources humaines. Pour pouvoir sauver des vies, il faut que nous ayons des ressources humaines compétentes qui puissent effectivement faire des gestes appropriés, en temps approprié, pour arriver à résoudre les problèmes sanitaires auxquels nous sommes confrontés. C'est aussi avec beaucoup de plaisir que je me retrouve aux côtés du professeur Stevenson, qui est accepté pendant toutes ces années également d'encadrer, je dirais, le corps professoral haïtien, d'encadrer également nos jeunes résidents pour les inciter à adopter une certaine pratique moderne de formation. Cela fait 25 ans, effectivement, que nous bénéficions de cette assistance, que les résidents, les jeunes chirurgiens, peuvent compléter leurs connaissances en utilisant les techniques modernes de la vidéoconférence pour la formation à distance et même en allant au niveau de Pignon, pratiquer des gestes chirurgicaux en bénéficiant des mentors qui se trouvent à distance lors des opérations. Je crois que nous avons également une faiblesse au niveau de notre culture, si je puisse l'appeler ainsi. On vénère les morts, mais on oublie que la reconnaissance serait beaucoup plus fructueuse, serait beaucoup plus importante si cette personne pourrait la recevoir de son vivant. Donc, en voulant changer certaines pratiques comportementales, nous commençons par nous autres au niveau du corps médical. Nous encourageons tous ceux qui nous assistent et qui nous aident à avoir des institutions fortes, qui nous aident à avoir des points de prestation forts pour effectivement soulager les maux, les douleurs et les peines de notre population. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je suis entouré du professeur Stevenson, qui s'est lui-même haïtianisé, et du docteur Guy D.V. Théodore, qui se passe de présentation, pour leur dire que nous avons apprécié ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils feront pour accroître les compétences en matière médicale de nos chirurgiens et de nos obstétriciens gynécologues. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est appelé à bénéficier également de cette expérience, de cette initiative. Donc progressivement, nous sommes en train de l'étendre, de la standardiser, de telle sorte que les résidents haïtiens, les jeunes professionnels en matière de chirurgie et d'obstétrique gynécologique puissent avoir accès à cette technique pour pouvoir accroître davantage leurs connaissances et les rendre plus compétents. Ceci étant dit, je demanderai au président de l'Association des chirurgiens en Haïti, puisqu'il a été lui aussi porteur de cette initiative, je lui demanderai en toute humilité de bien vouloir remercier pour nous le professeur Stevenson, et de bien vouloir, de vive voix, lui demander de continuer son œuvre en Haïti.